Bonjour et bienvenue. On est reparti. War Tales. Alors, la dernière fois, on avait tué un boss. Tué un boss qui nous a donné une nouvelle arme. On l'a mis au barbare. Dévouement. Elle est à peine niveau 6. Donc, il faudrait lui donner encore 2 niveaux. C'est bien sans être transcendant, j'ai envie de dire. Un truc qui pourrait être bien sur ce genre d'armes ou qui font des petites choses, genre là par exemple on gagne 2 de rage et tout ça, ça serait de pouvoir en porter 2. Le tranchant de cette hache s'enfoncera parfaitement dans tout type de surface, bois, visage, épaule, ventre. J'avais jamais lu ça, tiens, c'est marrant. Mais voilà, il en faudrait peut-être 2 ou des trucs comme ça, genre qu'on puisse en porter 2 et qu'on tape 2 fois. Avec les 2 armes, des trucs comme ça. Du coup, Niège a hérité de la victorieuse. Ouais. Ouais. On sait pas trop en fait quoi en faire hein, de ces haches. Elles sont vraiment pas top. Alors que les épées, pour le moment, elles sont quand même nettement mieux. Genre celle-là est vachement utile par exemple. Et après, celle de Ija, elle est aussi bien. Hein, ça donne protection et tout à chaque fois. Donc ça aussi c'est bien. La lance c'est une des meilleures. Éliminer les faibles, c'est une des meilleures. Kirik a aussi une des armes qui fait le plus mal du jeu. Wit a aussi une des épées qui fait le plus mal du jeu. L'arc aussi est terrible. Les flèches perforantes est quand même vraiment vraiment très bonne. La dague de hacker est très très bonne. Mais ouais, la masse est très bonne, la masse à une main. L'ingénieuse, très très bonne aussi. Le tonnerre des tourbières, honnêtement, c'est marrant. Donc, non, c'est pas si mal. C'est contre les moustiques, quoi. Mais bon, après, bon, oui, il y a mieux, quoi. Mais c'est contre les moustiques, surtout. Mais les haches, je suis très déçu pour le moment. Les haches à une main, en tout cas. Les haches à une main. Après, on aura la hache à deux mains. De celle-là, la fendeuse. Bonne tranche. Plus 80 de toutes les unités dans la zone. Les dégâts sont partagés entre les unités touchées qui subissent autant d'applications de effusion de sang. Les dégâts sont partagés entre les unités touchées. Ouais, ça peut être intéressant. Mais Taurus, il n'est pas vraiment... Le problème avec Taurus, c'est qu'il n'est pas vraiment build pour ça. Genre le duel valeureux, il va sûrement falloir le changer. Parce que s'il utilise ça, c'est une attaque de zone en fait. Ça va pas le mettre en combat. Après, on n'a pas vraiment le choix en fait. Ouais, pas vraiment le choix. J'avoue que cette attaque touche plusieurs ennemis, obtenez 1. Ouais, à la limite, il va savoir ça, quoi, à la place. Et on essaye de toucher plusieurs cibles. En fait, l'inquisitrice, là, c'est pareil. Hein, ça va être la même chose, en fait. Je sais pas. Parce que pour l'instant, ça marche très bien, le duel valeureux. Avec ça, avec la main de la justice, ça marche super bien. Mais ça marchera plus avec la prochaine hache. Donc je sais pas. On verra ce qu'on va faire. De toute façon, dans cet épisode, on va d'abord donc aller au clan. Pour réparer nos armures et tout ça. J'en sais rien en fait si c'est vraiment utile. Je sais pas trop. Ah, c'est pas loin à la limite, j'ai envie de dire. Mais ce qu'on veut surtout, c'est les moustiques. On veut essayer de capturer des moustiques. Faire attention. Ah ben voilà. Il y a des moustiques juste là. Donc on va en profiter. Oula. Ils sont vénères les moustiques. Hein. La vache. Donc ouais, on va essayer de capturer des moustiques. On va voir un peu ce que ça donne.
Nickel, je crois qu'on n'a rien à vendre. Il nous manque un givrassier pour pouvoir faire la lance. On va faire la lance à mener parce qu'elle n'a pas vraiment de bonne arme pour le moment. On a une arme en or maintenant parce qu'on a récupéré. Mais il nous faut celle-là. Comme ça fait du 8 et on la fait parfaitement bien et tout ça. Et comme ça fera comme l'arc fantôme. L'arc fantôme, il est vachement bien. Je suis en train de me demander si on ne devrait pas tester pour voir si on peut faire un truc encore mieux. Ça fait un peu chier, du cuir blanc. Il faut du cuir blanc pour les équipements ou pas? Non, là non. Brigandine non. Brigandine si. Le Jacques Spectral si. Ouais, non, on va attendre. J'ai pas envie de balancer tout mon cuir blanc. On va attendre. Mais ouais, il faut du givrassier à foison là-bas. Il en faut vraiment beaucoup. Bon. On n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt du tout. Alors, on veut les potions. Donc ça. Va le mettre à Orline aussi. Toi aussi. Voilà. Donc vous vous rappelez, ça tape à travers l'armure. Très dangereux. Très dangereux. On va en utiliser autant qu'il faut des potions. On va voir. Allez, let's go. 24. Putain. Après, on a des cochons, donc on peut peut-être utiliser les cochons pour tanker. Parce qu'avant, on avait les ours. Maintenant, on n'a plus les ours. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Oh là là. Ah oui, c'est en deux groupes, je crois. C'est comme les crocopores. Ouais, c'est en deux groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Ouais, 12. Ouais, 12, 12. On en a 12. Ils ont 120 de vie, ces saloperies. Liège. Microcopore. Donc il y a Orline avec les potions. Il y a Aether, le barbare avec les potions. C'est joli le l'icône. Et on a Hacker avec les potions. Ok. Ça marche. Oh putain, on a zéro bravoure. Oh merde. Ah mon dieu. Normalement, ça fait 50% de la santé maximum. Donc, est-ce que 78. Ça fait même plus de dégâts. Est-ce qu'on devrait pas en mettre de. Non, j'en sais rien. Non, on va se débrouiller comme ça. Là, toi, tu vas pas pouvoir bouger. Donc ça va, on a un tour déjà qui est gratuit.
merde. Il peut passer du coup, intéressant. Oui, il peut faire un petit carton. J'ai l'impression qu'ils feront un peu moins mal. J'en sais rien, juste que... Bon, lui commence à avoir de la rage, c'est bien. Des points. Bien, bien, bien. Le barrage aide. J'ai envie de tester déjà. On pourrait capturer celui-là du coup. Bien. Capturé. Ok, pas mal. Ça, on va faire ça. Pas mal. Pas mal du tout, même, j'ai envie de dire. Elle a gagné directement 6. Là, il y a la Orline qui peut peut-être l'attraper. C'est pas mal là, c'est pas mal. On en est... Là, là, ça marche bien. Je suis content, ça se passe mieux que prévu. J'avais un peu peur, mais non. Barrage aide. Le barrage aide. Thank you.
Très bien. Très bien. Faudra en capturer quand même un peu plus. On en a capturé combien pour le moment? Un seul, je crois bien. <466. rire> Ok, d'accord. C'était le dernier tir, je crois bien. Ah, il est déjà à 10 de rage. Donc là, on en a 2. Capturer, capturer. Ok. Bon, par contre, il va se prendre une baffe, du coup. Mais ça va aller, du coup. Ça va aller le coup. Bien joué. On va le laisser venir. Ok, là il y en a 4, va falloir jouer un peu avec eux. Je crois qu'elle peut capturer les deux. Oh, putain. Jouer. Même si on n'a pas trop de bravoure, on arrive quand même à en générer énormément, hein, très vite. Hein. Bon, ça j'aime bien. Ok. 1 sur 2. Ça va foutre feu. Ah, la plupart du temps, ça le fait quand je veux pas, quoi. On va essayer d'en capturer le plus possible. On est vraiment là pour faire une des expériences et c'est un peu relou à combattre. Donc, quoique, honnêtement, c'est là, ça y est, on gère beaucoup mieux avec avec barrage et tout ça et l'arc, même l'arc de War en fait. De l'avoir à plusieurs plusieurs mètres là, c'est pas mal. Au final. Là on a vraiment mieux géré. Donc je suis très content de ça. Celui-là qui reste. Bon, après, il reste les cochons, quoi. À jouer.
Tolus. On va essayer de capturer tout ce qui reste là. On va voir. Nickel. Je suis vraiment très content du barrage. Après, je crois que c'est quoi ces barrages? Ou mettre des bêtes. Non, ou attaque. J'avoue qu'attaque ça devient un peu moins utile, mais ça reste quand même utile. J'espère que ça va pas le tuer. Normalement non. Donc on garde attaque quand même sur une, sur War. Je pense pas que ça soit, ça serve à quelque chose de lui mettre barrage aussi. Surtout que maintenant, enfin l'attaque augmentée là avec le coup de la fureur, ça fait quand même bien mal quand on met plein d'animaux autour. Très bien. Voilà, parfait. Ok, parfait. On va attraper tout ce qui reste. Hop là. Manquer quoi? Non, ça a marché. Hein. Il en reste 3. Ah oui, 3. C'est qui a les... Ah oui, hacker. Déjà là. Pourquoi ça dit manquer? Se capturer pourtant. Bizarre. D'accord. Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes! On a des moustiques cardinales! Des moustiques cardinaux! Oh là là, ces trucs quoi. Carnivore costaud, malchanceux. Carnivore agile rapide. Ah, c'est carnivore tous? Carnivore fort, peau dure. Ils sont tous carnivores en fait. Alors vas-y, fais-moi rêver. Oh mon dieu, les trucs. Oh, ça me fait dégâts. Alors, à chaque fois que cette unité inflige des dégâts, elle se soigne de la moitié des dégâts infligés. Pas mal. Ça fait combien de dégâts, ça? 7 à 11 dégâts à la santé de la cible. Les dégâts ignorent la garde. Applique 1 de fièvre. Ah, mais c'était... Ah, j'avais peut-être pas lu... pas bien lu. Ou alors, c'était pas écrit comme ça, avant la petite mise à jour qu'il y a eu, là. Ça ignore complètement l'armure en fait. Mais ça dit en fait, genre 7 à 11, à la santé. Ça dit pas de dégâts, ça dit à la santé. Critique, ça applique 1 de fièvre. Putain. Pas mal. Alors, chaque fois que cette unité inflige des dégâts, elle se soigne de la moitié des dégâts d'infligés. Elle fait pas très mal, donc je vois pas trop. Chaque fois que cette unité se soigne, elle gagne fureur. C'est pas mal parce que de base, elle a ça. Donc chaque fois que cette unité inflige des dégâts, elle gagne une application de réserve de sang. Au bout de deux applications, cette unité régénère entièrement sa santé. Donc en gros, le truc, ce serait de... Ça consomme 3. Ça serait d'augmenter leur constitution au max. Ils ont moins de vie que quand on les combat. Bon après j'ai pas augmenté encore les stats. Ça pourrait faire des super tanks dans un sens. Parce que tous les deux tours en fait ils sont full vie. Ça peut être intéressant. Parce que pour détruire plus de 100 de vie, c'est faut y aller quand même. Quoique. Entre les deux là, genre. Chaque fois cette unité se soigne. Ça veut dire que si on prend ça, ça serait genre tous les deux tours.
Au deuxième tour, elle gagne Führer. Et après, au troisième tour, elle peut utiliser Führer dans un sens. En fait, c'est ça. Moi, c'est peut-être pas vraiment très intéressant. Oh, vous imaginez des moustiques tout autour d'une cible et vous faites attaquer avec War? Ça serait intéressant. Alors après, c'est dégâts augmentés de 50% pour chaque réserve de sang. Intéressant. Chaque attaque applique également un de poison. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Transfusion dopante. Cette unité confère fureur à un compagnon adjacent pendant le repos. What? Genre le truc. Ah, mais le. Ah, mais ça fait dégueulasse parce que, genre, unité. Genre, transfusion dopante. Genre, le machin. Genre, tu dors à côté de lui. Et il te fout du sang. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est trop bien le jeu. C'est dégueulasse. Et là, c'est quoi? Prélèvement sanguin. Cette unité peut piquer un compagnon pour supprimer son besoin en nourriture pendant les deux prochains repas. What the fuck? Passif, passif. What? Ça marche comment? Genre c'est aléatoire, peut-être? Genre vous dormez et peut-être vous avez un message comme quoi un moustique vous a piqué, du coup vous n'avez pas besoin de manger pendant les deux prochains repas. Oh mais vous prenez ça avec des ours en fait. Et vous mettez des moustiques autour de l'ours. L'ours c'est 12. L'unité confère fureur à un compagnon adjacent pendant le repos. Mais pendant le repos? Ça, je comprends pas en fait. Genre, ça veut dire qu'on va avoir fureur au début du combat? Au début d'un combat, c'est ça? Bon, par contre, elles sont devenues très intéressantes. En fait, ces moustiques sont devenus super intéressants parce que ils font poison. Ils peuvent faire poison. Donc là, ça m'intéresse. Alors, j'avoue que les chocos. On peut leur mettre des trucs? Ouais, on peut leur mettre des trucs. Vous avez déjà vu des moustiques avec des fers à cheval? Regardez, on a un moustique. Putain, mais c'est jeu, quoi. Faut que je réfléchisse 2 secondes, là, parce que là, il y a trop de trucs. Du coup. Non, les crocopores restent mieux. Ils peuvent pas porter les moustiques, évidemment. Et ils sont carnivores. Les crocopores restent mieux. Dans le sens où il y a beaucoup de passifs. Intéressant. Et après. Leur attaque, comme d'habitude, c'est saignement puis poison. Saignement puis poison. Moustique, c'est que poison. J'avoue qu'on les utilise plus vraiment. Non, si, non, si, si, on les utilise, les crocopores. Pour mettre du saignement et tout. Ce saignement, c'est 20% de la santé, en fait, qui part. C'est vachement puissant. Moustique, ça ferait que du poison. Solitaire, agile. C'est ta force. Je regarde lesquels on peut virer. Ronfleur, élevé par les moustiques élevé par les sangliers et qui ronfle. Bon, on va enlever celui-là, je crois.
Ça fait beaucoup de viande. 146. Donc moi je dirais, donc la fureur c'est peut-être pas très intéressant. Donc le suceur de vie. Après le poison. Et après je sais pas ça. Cette unité confère fureur à un compagnon adjacent pendant le repos. Et après cette unité peut piquer un compagnon pour supprimer son besoin en nourriture. Ils prennent combien eux? 4. Les gens, c'est toujours 3. Ça, c'est 4. Moi, je dirais prélèvement sanguin. Mais c'est les deux prochains repas. C'est un peu beaucoup, je trouve, non? Bah après, honnêtement, pour les récupérer, les moustiques, c'est pas de toute facilité non plus. Hein. Putain, tu veux pas me mettre volonté 12, bordel de merde? Va falloir faire des tests. Mais après, comme j'ai dit, le. C'est pas comme si c'était facile à récupérer. Donc je comprends pourquoi c'est un peu peut-être OP. Faut voir, faut tester. On a déjà joué avec avec beaucoup d'animaux hein, à la base. Hein. Genre entre les ours et tout ça. Donc c'est pas trop grave à la limite de consommer beaucoup de nourriture. Mais je suis en train de me dire, moi, c'est est-ce qu'on peut peut-être piquer les crocopores? Parce que ce qui mange le plus, c'est les crocopores. Tout le monde, c'est 3. Bon, des fois, il y a Klaska, je crois que c'est 4. Ouais, parce qu'elle est gloutonne, elle. Les sangliers, c'est que 2. Les moustiques, c'est 3. Bon, il faut de la viande, ça, c'est pas un problème. Oh, les chevaux. Ah. C'est marrant, c'est des quadrillages. Voilà. Ils sont derrière les chevaux. Donc en théorie, ils pourraient piquer. Et pendant deux repas. Deux repas, c'est beaucoup, hein.
Parce que vous prenez genre un ours, si ça marche avec un ours, c'est 12 fois 2, hein. C'est énorme. Après, il y a un poney qui prend que 5, c'est qui? C'est poney, le gris. Poney gris. Parce que si on se met derrière un poney qui prend que 5, autant... Ouais, bah oui, d'accord. Tu peux pas te mettre à côté de lui, là? Ah putain, on doit être à la limite des trucs. De la zone en fait. Ah mais là il est trop avancé. Du coup on va les inverser. Hop. Oh là là. Voilà. Voilà mon... Mon camp, faut qu'il soit joli. Voilà, donc là on est derrière 3 poneys à 6. Et après 2 autres à 6 aussi. Voilà. Bon, le prochain repas il va être cher. Hein. Le prochain repas va être cher. Mais bon, ça peut être intéressant. Faut voir. Regardez, on a des moustiques qui nous suivent maintenant. N'importe quoi, je veux. Est-ce que ça peut être le prochain animal OP du jeu? Mais du coup, là, les armures, elles n'ont rien pris. Est-ce que ça peut être le prochain animal OP du jeu? On verra. On va voir. Il faut se rééquiper par contre. Ça marche vachement bien ces potions par contre, hein. Putain. Ça marche super bien. Alors, on peut voir un peu la catastrophe que c'est la nourriture. Saucisse de loup. Et après, les animaux qui nous restent à prendre, enfin, que... Enfin, j'en sais rien, en fait. Si c'est... Il reste... Il y en a peut-être encore plein. ça serait les fantômes. Mais ça, c'est... Mais les... honnêtement, les... Attendez, on peut les tourner. Voilà, mets-toi derrière. Alors, je sais pas si ça fait quelque chose. Mais... Pardon, genre regarde le truc quoi. Le cheval. Ok, très bien. Après les moustiques, ça prend quoi? C'est 3 là. Ouais, piquer un cheval, ça fait 6. Ça fait 2 moustiques. En plus, c'est pour 2 repas. Ça peut être intéressant. Faut voir si ça fonctionne là. On a 7 de viande. Mais c'est pas vraiment un problème, comme j'ai dit. On va manger ça. Dégâts critiques. C'est pas un problème, mais... Ok. Bon, ça a intérêt de fonctionner quand même, hein. On est prêt? Allez, vas-y, fais-moi rêver. Alors, qu'est-ce qu'il y a à lire d'intéressant? Moustique cardinal a piqué hacker pendant le repos et n'aura pas besoin de se nourrir pendant les 2 prochains repas. La troupe est reposée. Pourquoi ça a piqué à cœur? Ça pique des gens au hasard en fait, je crois. Pas besoin de les placer.
On était à 146. Ouais, maintenant c'est 143. D'accord. Il y a une apothicaire là, non. Un apothicaire. Bon, bof. Bon, je suis un tout petit peu déçu. Je pensais que ça allait au moins 3-4. Parce que un seul, c'est peut-être pas vraiment très intéressant. On va tester ça au combat. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, est-ce qu'on a d'autres missions à prendre? Consulter. On a tué des gens. Ah, merci. Allez, on y va. On va tuer des gens avec des moustiques. Ah, il faut que j'achète plus de fer à cheval. Lol. Un truc qui me fait rire, c'est que ils ont pas mis comme quoi les gens en fait parlent de notre troupe, genre ah tiens, vous trimballez des je sais pas, des moustiques, vous trimballez des zombies, vous trimballez des machins. Genre, ça pourrait être marrant d'avoir des trucs comme ça. Attends, fais voir. Non, ça, il n'y a pas assez de différence pour justifier un vol. Ah, où faut passer? Il y a là-bas. Ah, la droite. Il y a une moustique derrière. Mais bon, on a largement trop de gens, honnêtement. Faudrait avoir 10 personnes pour avoir autant d'animaux. Grand maximum 10 personnes. Ils sont là. Ok, il y a un problème de mouvement ici. Il y a un problème de mouvement, mon perso se bloque en fait. On n'arrive pas à récupérer notre bravoure par contre. Ça, c'est un problème. Bon, là, on est beaucoup. Est-ce qu'ils prennent la boue? Non, hein. Ouais, ça, c'est bien, ça.
Ah, ok. Putain, on a... Oh la vache, on est encore éparpillés comme des oufs, quoi. Incroyable. Incroyable. Il est où neige? Il est là. Attends-toi, Will. Will, tu vas te mettre là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de champs. Ça. C'est pas le tir. Ah, ils ont beaucoup de mouvements du coup. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, ils ont beaucoup de mouvements. Je dirais suprême séparé des crocopores, même si encore une fois je pense qu'ils sont plus intéressants. Vraiment séparé. Pardon, pour avoir pour avoir les moustiques. Si je le tape, ça va le désengager. Est-ce que je peux retaper? Non, et c'est quand c'est engagé sur Will que ce qu'on peut retaper. Ouais, c'est pour être sûr. Volonté réduite de moitié. Tiens, on va utiliser celui-là. Comme j'ai dit, les crocopores en fait sont vraiment bien. Donc pour les debuffs, hein, comme j'arrête pas de dire. Mais ils sont un peu tanky et tout ça. Donc on peut bloquer des beaux, gros passages. Les moustiques, c'est un carré humain déjà. Le crocopore, c'est plus large. C'est comme le sanglier, c'est plus large. Donc déjà, il y a aussi ça à penser. Donc, si on est dans un combat compliqué, à la limite, je dirais qu'un crocopore est mieux. Genre, comme contre la garde, là, quand on avait combattu la garde pour Septel,
Je dirais que les crocopores ont fait un très 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 bon boulot. Je sais pas si les moustiques auraient fait pareil. C'est un peu ça en fait. Après, maintenant, on est bien puissant aussi. Donc, ouais, on n'a plus vraiment besoin de gros tanks ou quoi que ce soit. On va les tester un peu. Après, j'aime beaucoup leur mobilité. Hein. Ils vont très 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 loin. Ils vont méga loin. Les crocopores, non. Ah, après, il y a aussi la facilité. Genre, par exemple, là, le crocopore ne peut pas passer. Par exemple, il faut vraiment bien bien gérer en fait la place. Alors qu'un moustique, on peut beaucoup plus entourer en fait la cible. Donc en théorie, on a War qui pourrait faire plus de dégâts en faisant attaque là. Normalement, on peut en placer beaucoup plus autour que des machins là. Parce que là, on est bloqué en fait. Genre, on en met un, deux. Après, un troisième là. Quatre. Ouais, grand maximum, ce serait quatre. Je pense pas qu'on puisse faire autrement en fait. Alors qu'un moustique. Non mais 2 sur les côtés, après 1 au milieu, ça ferait 2, 4, 5, 6. Je crois que 6. Je crois que le maximum, ça serait 6. Pour les moustiques. Donc c'est différent. Joli. Oh cool. C'est parce que il a encore de l'armure, elle fait très mal. Et là elle a fait un bon crit. En 64. Ouais, pas mal. Pas mal du tout même. Il reste 3 mecs. Ben, il reste ces 3 là.
Non, 1, 2. Je suis aveugle. 1, 2. Bah, il met 10, 3. Ah. J'ai rien. Elle est ouf, elle est là-bas. Après, le fait de pas être ralenti par la boue et tout ça, c'est pas mal. J'avoue. Ah, ça a ses avantages, ses inconvénients. Je pense que je préfère les crocopores. Après, pour le camp. Crocopore, c'est bien pour trouver des champignons, là, parce qu'on est beaucoup dans la forêt, ça c'est sûr, en ce moment, en tout cas. Après, pour le camp, c'est pas plus... pas très intéressant. Après, le moustique est vraiment intéressant, mais bon, il faut que ça... faut que ça pique plus souvent, parce que bon, si c'est une paire... on a 5 moustiques. Si tu vas me piquer une personne par nuit, bon, pas énorme. Il m'en faudrait au moins 2. J'ai envie de dire au moins 2. Je vais voir quand ils font ça 2 fois. Hop. Réserve de 127. Full vie. Dis-moi, tu me donnes de la merde. Waouh. Je pense qu'on va les soigner au remède et après j'irai en faire des remèdes. Aïe 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 aïe. Tellement de choses à faire dans le jeu, c'est abusé. Tellement de différentes stratégies à aborder. Genre là, nous, on a 15 personnes. Je pense qu'on pourrait limiter ça à 10. Qu'est-ce qu'il a le jeu?
Me dis pas que t'as crash. Ok. On pourrait peut-être faire 10 maximum. Et après, beaucoup d'animaux. On pourrait faire des sortes de... Pas de challenge, mais... Ouais, du roleplay par rapport à différents types de jeux, quoi. C'est vrai que je dirais pas non à lancer des critiques. Ah, ça c'est le chef, ça marche. Je dirais pas non à faire un peu plus le Beastmaster, le dresseur avec plein d'animaux, ça peut être marrant. Après, le problème, c'est qu'il faut aller les récupérer aussi, les... Faut aller les récupérer, les bestioles. Parce que les moustiques, c'est pas... Faut d'abord faire la ville et tout, quand même. Pas très facile. Ah oui, parce qu'après il y a aussi un avantage. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Parce que... Alors ça fait saignement, ça fait poison, je suis d'accord. Mais il faut attendre la fin du tour pour faire beaucoup de dégâts, ok? Et la plupart du temps, bon, ça va crever et tout, parce que nous aussi on en fait. Enfin, les humains de notre groupe en font du poison et du saignement. Et après, les crocopores font poison-saignement aussi. C'est top. Sauf que eux, les moustiques, ils viennent faire fièvre et tout. C'est ça en fait, c'est qu'ils tapent la vie. C'est qu'ils tapent la vie. Genre là, le mec, il a 2 de poison déjà. Il va se prendre 9 de dégâts, il est déjà à 34 de vie. Donc il va se taper moins 9. Il va être à 25. Alors que le crocopore, il va taper dans l'armure. Alors évidemment que lui, il va se prendre saignement. Genre là, on a tapé 2 fois. Avec 2 moustiques. Le crocopore, il a tapé 2 fois. Il va faire saignement et poison. Parce que la deuxième fois, c'est poison. Donc, ça fait 20% de la vie. Puis après, ça fait 5%. Donc, ça va faire quoi 4 ou 9 de dégâts, je sais pas. Genre 5%. Parce que ce sera qu'un seul. Et après, c'est 20% de la santé. Ça va faire quoi? 30? 20? Peut-être? Donc, qui va faire plus de dégâts au final? Je
pense que c'est le moustique. Étrangement. Là, je passe pas à travers, là je fais rien, là, je fais zéro dégâts là. Et il y a aussi le truc de si vous entourez la cible de moustiques et que vous faites attaquer. Elle est où? Ah oh, putain, elle est trop loin. Elle est pas à côté. Genre si c'était War, lui serait mort. Il serait complètement mort en fait. Je crois. Parce qu'ils vont tous avoir fureur et taper à travers le bouclier, l'armure. Oh. Ok. Là, on arrive à un truc intéressant. On va faire un exemple. Et pour les cibles qui ont peu d'HP, c'est encore pire. Il n'y a qu'un seul moustique. Les autres, ils sont loin. Merde. Oh, doucement. Après, il serait peut-être mort avec le... Après le moustique, il va se remettre full vie. Saignement, c'est combien? 14 pour 68. Donc ça ferait une vingtaine d'HP pour l'autre. Ouais. Mais je l'ai déjà joué en plus. Mais enfin, tout ça pour dire que ça peut être intéressant en fait, au final. Lui, c'est quoi comme attaque? Tu vois? Okay. Parce que là, il est déjà à moitié de sa vie. Je dirais que si on veut doter les gens. Les moustiques sont nettement mieux. Genre par exemple la guerre des 30 ont doté les gens. Et on les laissait crever du genre du feu. Enfin, c'était surtout du feu. Après, on avait un peu de poison avec Orlyn et tout ça. Mais ça aurait pu aller plus vite, du coup, avec les moustiques. Genre, les moustiques, ils viennent, ils tapent, ils repartent. Ils font genre... Même si c'est 10 d'HP, c'est énorme, en fait. C'est à la vie, directement. Donc, ouais, ça peut être pas mal. J'avoue. J'ai envie de dire, à la limite, une...
Une armée de moustiques, n'arrête pas quoi. Maintenant que j'y pense. Pas de deux mecs. Il y a personne qui. Bon, c'est mort. Ah, attends, tu peux peut-être le one shot là, non? Si go. Non. Plus maintenant, je suis dans la zone de Kirik. Pam 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 pam. Alors 23 de dégâts, je vais voir. Oh, ça remet une réserve. Ah. Intéressant. Intéressant. On peut faire attaquer et du coup il récupère une réserve encore de sang. Alors ça voudrait dire qu'on peut même trigger d'autres trucs, genre se soigne et gagne fureur 50% de chaque réserve de sang. Je sais pas, c'est intéressant. Alors, ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ouais, tu vas mettre ça. Tu vas mettre ça parce que ça c'est trop dangereux maintenant. Trop bas. Pas assez intéressant. Par contre, renfort du serpent, je le veux. Merci. Je vais trouver du champignon, d'accord. Là on le vend. Parfait. On a un poney. C'est marrant, on est à 1155 et on est passé à 156, du coup on est dans le blanc. Du coup, s'il pique n'importe qui, on peut prendre. On peut les mettre n'importe où. Par contre, on a beaucoup de gens quand même, en fait. Beaucoup de cadavres.
Ah, ça mérite réflexion à chaque fois qu'on a des nouvelles choses. Ça, je trouve ça intéressant. Par contre, on va se faire un sanglier là parce que. Ah, mais ils sont pas gras! Merde! Casse-burne. Ouais, on peut se faire les crocopores. Ouais, je veux bien m'en séparer des crocopores. Ah non, le poids il est pas bon. Non, 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 pas encore. On transporte trop de choses. Pourquoi on transporte autant de choses encore une fois, putain? Ah oui, les cadavres. Vas-y, pique. Alors, moustique carné a piqué Ija. Bon, on passe à 140. Je crois que par repos, c'est une personne. Donc en fait, on va avoir genre quoi, deux tours. Après, ça va faire un tour, deux tours, un tour. Il y a deux personnes. Je crois qu'on gagne. Si ça fait un roulement tout le temps et que c'est tout le temps lié à... c'est tout le temps limité à une personne, je crois que du coup on va gagner que 6. Enfin, si c'est une personne normale en fait. C'est-à-dire que c'est 3, c'est 2 fois 3 je crois. S'il y a un roulement tout le temps avec une seule personne. C'est ça qui est pas top en fait. Si c'est une seule personne, c'est pas top. Quel combat, mais quel combat à vaincre une championne comme Maître Trakus Bjorn, ça fait de nous des héros. Alors savouré, vaillant, point d'attribut, serait bougé, voilà. Alors on a déjà vaillant, comme j'ai dit. Je pense pas que ce soit vraiment très utile d'avoir encore du vaillant. J'en sais rien. Est-ce que le mec il a vraiment besoin de points d'attribut en plus? Je sais pas. Je sais pas si vaillant ça se cumule. Ah, j'ai bien envie de tester. Savourer, profiter de l'euphorie du groupe et se laisser porter. On verra. Ça nous fait deux personnes vaillantes. Donc, on verra si jamais ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'il y a écrit quelque part? Je pense pas. Non, je pense. J'arrive pas à trouver, mais. J'ai fait un contrat d'assassinat, je n'ai également d'influence. Ah, faudrait voir. La zone est méga grande quand même en fait. Ouais, la zone est méga grande. Je regarde s'il n'y a pas de secret. Je pense pas. On arrive où là? Ça change bien. On dirait qu'on n'est plus dans les marécages en fait. Me dis pas qu'on est dans une autre. Maintenant c'est toujours Ludren. Ah, on arrive aux bordures.
Ouais, on peut plus. C'est grand quand même, hein? L'Udren. Super grand. Oh! Peut-être un secret. De quoi un secret? Quand on ressemble à un débarcadère de contrebandier. Il y a autre chose à inspecter ou c'est le même truc? Ok, ça c'est cool. Attendez, on a eu quoi? J'ai oublié. On a eu quoi des... Ah ça, oui, fragments de petit objet, oui. Fragments de petit objet, le bleu c'est quoi? C'est des antiquités. Ok, c'est juste de l'argent. Bête, j'aurais bien voulu avoir une arme en plus. Qui c'est qui veut s'entraîner? Est-ce qu'on peut entraîner les moustiques? Sans déconner. Non, ok. Bon, les moustiques, ils vont rester derrière les chevaux. On protège les chevaux. Tout le monde est 8. Enfin, tous les nouveaux, je veux dire. J'aimerais bien mettre Taurus, en fait, en... Un truc comme ça, il peut utiliser la hache, mais bon. J'ai l'impression que aussi, ça s'équilibre beaucoup vraiment bien les niveaux des gens. Maintenant, il y a très peu de différence entre les gens. Cassandra, Klaska, Taka. On va l'appeler. On va l'appeler Cassandra comme dans Assassin's Creed. Odyssée. Libérer l'ancienne mine. La mine des Dorans. Oh, c'est qui ça? Bonjour. Qu'êtes-vous, messieurs? Lieutenant Cassius, encore des mercenaires? Vous croyez que vous êtes les premiers que la Légion nous envoie? On a tué des gueux dans votre genre, dans toute la province et les comtés contre ce foutu continent. Ok. Mais on n'abandonnera pas, on cherchera notre seul vrai colonel jusqu'au bout du monde s'il le faut. Et quand on reviendra, Alexa Grattan fera trembler le général. Convaincre que le colonel Alexa Grattan n'est pas ici. On a un médaillon. Ah, ok. Attends, il y a peut-être une mission, une quête. De l'argent à se faire, en fait. Ils ont leur tête à mise à prix, en fait. Les zombies.
Ils ont leur tête mise à prix, donc peut-être que on peut se faire de l'argent. Ça vous dérange si on campe là, les mecs? Putain de sangliers, ils sont toujours pas gras. Il donne rien, quoi. Incroyable. Sont mes fers à cheval. Vous savez quoi, on va enlever tous les croque-forts. Faut que je regarde le poids par contre. Très bien. Va enlever Crocoporn, on a un peu un problème de deux. Putain. Si jamais on en veut d'autres, on en reprendra. C'est de la merde hein, quand même. Les élever, ça sert à rien. Putain. Enfin, pour en faire de la nourriture, en tout cas. Il y a eu 4 morceaux de viande avec 5 trucs, quoi. Après, ouais, comme j'ai dit, si jamais on en veut d'autres, on en récupérera d'autres. Mais je pense pas qu'on en ait besoin. Non, les sangliers, on va les mettre. Non. Ça. Alors, on est passé à 120. C'est pas mal déjà, un peu mieux. Alors, 150 points, putain. On a pris 3 trucs, on a généré 4, Moustiquaire a piqué Ija. Ça marche. Mais après, je me demande du coup, est-ce que la transfusion dopante pourrait être pas mal? Après, bon, fureur, ouais, c'est pas vraiment truc. Enfin bref, 121. Ouais, maintenant on est arrivé au cycle là, je crois. Du coup, ouais. Je sais pas. Mais pour le moment, on a ça à piquer que des humains. Il y a ça aussi à savoir. Pour le moment, ça a piqué seulement des humains. Donc c'est possible que ça marche tout simplement pas en fait. Lieu défendu. Descendre. C'est possible que ça marche tout simplement pas sur les animaux. Ça sera embêtant. Comme j'ai dit, si ça marche sur les animaux et que genre les ours. Ferme en ruine. Alors sur les ours, ça serait vraiment bien.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Honnêtement, dans le sous-sol, s'il n'y a pas des pestiférés, s'il n'y a pas des zombies, je vais être surpris. Ah, oh, le bruit, quoi. What? J'aime bien comme tu te mets contre le mur. Hérétesse. Je hais Luderne. Cette terre est maudite. Contrebandière. Vous pouvez entrer. Cette planque n'en est plus une depuis un moment. La garde est à nos trousses. J'étais justement en train de chercher un moyen de nous tirer de Luderne à l'aide d'un groupe de mercenaires. Nous simplifier la tâche. Si vous protégez notre fuite, on vous laissera la moitié de notre stock. Remettre contre la peste, la fable du loup et du houblon. Ah ouais! Marché conclu, on vous rejoint dehors. Nous, les contrebandiers, sommes les seuls à procurer des remèdes contre la peste au peuple d'Arag. Et après la garde, se demande pourquoi personne ne nous dénonce. Est-ce qu'on a des... On a 20. On a 22. Même. On peut faire business avec toi? Ouais. Let's go. Hop là. Ça marche. Tu veux pas rester avec nous, toi? Je sais pas, je t'aime bien. De toute façon, tu parles. Tu dis qu'une phrase, je sais, mais hein, des fois, il n'en faut pas plus. Et que tu te mets, tu poses contre le mur comme ça, c'est stylé. What the fuck? Capitaine Aeda. Non, c'est les sauveurs. Ah oui, mais non, si, c'est la garde. La garde ici, elle est comme ça. On vous tient, mercenaires, c'est votre jour de chance. Les têtes de ces contrebandiers sont mises à prix. Inutile, nous les avons déjà embauchés, pas vrai, mercenaires? Comment avez-vous? Vous êtes bien gardé de dire pourquoi vous étiez recherché, n'est-ce pas? Regardez, mercenaires, ce ne sont pas que des profiteurs qui revendent les remèdes contre la peste à prix d'or. Non, ils pillent nos tombeaux, les demeures des dieux, revendant les reliques en plus offrant. C'est ce qu'on fait aussi. Petit morceau de terre cuite. C'est déjà étonnant qu'on trouve des acheteurs pour ces déchets. Vous devriez nous remercier. On nettoie vos vieilles ruines. Commencez-vous, personne ne va pas défendre des bandits qui méprisent nos dieux et nos reliques. Remettre contre la peste. Non, mais on va rester avec eux, là. Honnêtement, cette zone, je l'aime... Enfin, je l'aime bien. Elle est cool. Mais les gens qui y sont, sont tous des sauvages et tout ça. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, on va se mettre à contre elle. On va l'affronter. Tout le monde est bon. Puis, ils nous ont embauchés, les autres. Donc, bon. Tant et on continue. Oh, agressivité du chef. Dis-moi que c'est critique, ça. Oh mon dieu. Vous êtes tellement morts, les mecs. Non, mais vous êtes tellement... Non, mais... Vous imaginez même pas à quel point vous êtes morts. Moira. Contrebandière de Bel-Orion. Reste loin du combat.
Toi, tu peux attaquer. Mais surtout, laisse-nous faire. Braconnier. Attaquer. Truand. Ok. Ok, c'est parti. Alors, placement. Placement. Ok. Là, on a 4 personnes. Il faudrait des attaques AOE. Je sais pas si on pourrait. Je sais qu'on peut respé pour faire des pour avoir des attaques AOE. Je sais pas si ça vaudrait le coup en fait. On peut mettre lui devant et il fera une AOE comme ça. Avec avec Will qui est là. Ah ouais, on va faire ça. Niche, t'as qu'à rester là. Hacker, Cassandra. Glaska. Je vais changer son nom pour Cassandra. Ça y est, mon cerveau il est parti dans Cassandra. De Assassin's Creed Odyssey, ça y est, j'arrête pas de dire Cassandra maintenant. C'est bon, c'est fini. Là par contre, c'est un peu chaud. Il y a Lucie. Faudrait plus de monde. Bon, après, c'est des animaux surtout ici, donc ça va. Je crois qu'on est bon. Non, on n'est pas bon. Taurus. Non, Klaska. Okay. Non, on est aussi on est bon. Vas-y, go. On va pas être boosté, mais. Ouais, mais tu vas faire super mal. D'accord. Et voilà. Et là, en plus, ils sont potes. Meilleur ami, 5% de dégâts. Ah, faut qu'on regarde ce que ça fait Mene et Will. Alors, notre tactique, let's go. Et voilà. Ah merde, j'ai pas assez de mouvement. Oh la vache! Oh mon dieu! Oh la vache, il va loin. Ça tue. Agilité. Tan. Où tu vas? D'accord. C'est le bruit des moustiques, ça, le bruit bizarre là. Oh mon dieu. Les dégâts, s'il te plaît, quoi. Machin.
Ah, elle va survivre, hein. Pour le moment. Ouais, ben putain. Ah mais lol, attends. Ok, d'accord. Ah bah non, non. Ah non, là on y va, là. Là on les massacre tous, là. C'est marrant. C'est drôle. Là c'est plutôt comique. Critique, ouais, rage, rage, cool. Ah oui, non, là c'est plutôt comique, critique à 100% et tout ça, là. Oh, joli. Joli. Après c'est quoi? C'est l'ours, l'ours qui reste? Mon Dieu, putain. C'est 4 coups, 4 coups critiques. Bah ça fait pas de dégâts, c'est bien. Pas de dégâts du tout quoi. Catastrophe. On a 3 moustiques là. Non, je me suis mal placé. Ah, c'est pas grave. Ah, un truc intéressant, j'étais en train de penser, parce que j'ai vu là qu'on pouvait l'attraper. Genre voler les poneys. Donc en fait, on aurait pu voler des poneys. Et ne pas avoir à les acheter. Est-ce que ça serait aussi simple que ça? Parce que putain, quand je recommencerai le jeu, moi je les volerai, hein, du coup. On attaque des trucs. Et... Donc légère, mouvement porté. Je sais que c'est bien, mais elle, elle a le bleu. Là, on va perdre du crit et tout. Tech, c'est crit, crit 4. Je dis pas que la portée est pas bien, mais... Non, on va pas le prendre parce que c'est bleu. C'est pas intéressant. Bon, bah c'était bien. Petit massacre comme ça. Là. Merci Powerhead, sans vous, la gare nous serait submergée. Nous allons nous débrouiller pour le reste. L'embarcadère secret n'est pas très loin. Quant à votre récompense, elle vous attend au sous-sol. Ça marche, merci.
Fable du loup et du poublon. Ah, mais attends, c'est juste un repas, en fait. Je pensais que c'était l'apprendre. Bon, par contre, c'est pété, ce truc, quoi. Dégâts critiques, 25%. Des produits frais préparés à la mode d'Arag qui aurait ravir les palais les plus difficiles. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, on va devoir s'arrêter là. Non, 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 non. Là, on a une tour avec deux crânes. Ah, je suis en train de me dire qu'en fait, on aurait pu complètement voler des poneys alors. Très bien. Ouais, on a 49 encore. N'en consomme pas beaucoup hein, des trucs, hein, des objets pour réparer. Genre ça par contre ça m'intéresse là. 123 d'armure. Dégâts critiques. Ouais, ça m'intéresse. Mais ouais, mais genre là. On a deux poneys. Ah oui, ils essayent de fuir. On l'avait déjà fait, ça. Ils essayent de fuir. Donc, si on arrête les poneys, c'est... Il faut tuer les marchands, en fait, pour récupérer donc leurs objets, hein, pour les looter après, à la fin. Et après, on peut arrêter aussi les poneys et les voler. Mais attends, ça va être des poneys niveau 10? Il faudra tester ça. Ouais, ça il faudra complètement le tester en fait. Si ça va être des poneys niveau 10 ou pas. Si c'est des poneys niveau 10, on vire les nôtres. On vire les nôtres. À la limite, il y a même celui-là. Bon, celui-là, il va être bientôt niveau 10. On va pas le faire parce que bon, on l'a depuis le début et tout ça. C'est le tout premier en plus. C'est celui-là qui a commencé avec nous. Mais... Ah oui, non, mais eux, ils ont pas de niveau... Ouais. Je pensais qu'ils avaient une ligne. Non, il n'y a que les humains, en fait, qui ont des habilités au niveau 10. Non, il n'y a que les humains. Bon, en tout cas, armure lourde, là. M'intéresse. Ouh, c'est stylé. Mais ouais, on gagne un peu de garde, de l'armure, dégâts critiques. On perd 2 de critique, 2 de force. Bon, on peut pas mettre de slot. Y a pas de slot. Mais le 20% d'armure, le 20 d'armure et 1% de garde. Et le dégâts critique surtout, en fait. Ça vaut le coup. Et après pour Lucie, elle a quoi, Lucie? Non, Lucie, ça va. Enfin, en tout cas, le dégât critique, c'est bien pour tout le monde, en fait. Après, même lui, il peut la mettre. C'est la même, mais améliorée. Peut-être qu'à la limite, c'est mieux pour... Non, non. Non, c'est juste des détails pour 8. Pour 8, c'est juste des détails. C'est 28 d'armure, 2 de garde. Après, il y a toujours des dégâts critiques. Après, celle-là, cette armure, je peux pas la mettre sur Klaska parce que Klaska va perdre trop d'armure en fait. Mais par contre, si elle prend celle-là, bon, on a 21, mais dégâts critiques 8. Et elle en fait des dégâts critiques. Surtout avec ça, là, c'est du 100% critique s'il n'y a pas de garde. Niège sert à rien. Bah, il pourra prendre celle-là de Klaska en fait. L'armure de Klaska.
Ouais. Non, non, c'est pas mal là ce qu'on a. Vraiment pas mal. Du coup, tu me blanchis ça. T'es pas censé être plus près, ça. Voilà, comme ça. Du coup, il me faudrait... Bah, tout le monde est occupé, en fait. Donc, du coup, on va moins avoir de bravoure. Aïe, aïe, aïe. On se débrouillera. On va pas enlever la musique parce que la volonté c'est important. Okay. On va devoir s'arrêter là. Bah on a qu'à s'arrêter là. Bon, voilà, en plein milieu. Ça, le village moyen de Cyrus, on l'a fait entier. Ça, on l'a fait entier. On a ça. Ça. On n'a plus de nouvelles du clan de Néprune depuis un glissement de terrain. Les surveillants semblent très isolés. On peut aller voir ça aussi. Peut-être ça, on attendra encore un peu. On a quoi? On a 3900, on a 400 à récupérer. Ah, ça va, ça. Niveau argent, ça va. Il n'y a que la nourriture qui est un peu relou. J'ai envie de dire. Mais bon, les machins, ils vont bientôt être gras. J'espère. Normalement, le prochain, ils vont être gras. On est à 121. Là, on consomme un peu moins. Et puis les moustiques, ouais, ils nous font des mecs gratuits, quoi, de temps en temps. Par contre, on est plein. Voilà. On a 50 de libre. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci, cet épisode, c'était bien. On continuera la prochaine fois. Et c'est cool. Et on a des moustiques. Des moustiques, c'est bien. Très étonné, mais pourquoi pas. À la prochaine. Ciao.